Si vous utilisez un téléphone Android ou bien un iPhone, dans la vidéo, ça va partager avec vous 5 erreurs ou pas de faire avec le téléphone. Si vous n'avez pas de temps, la passe dans la vidéo pour ne pas trop long. Vous n'avez pas de erreur à pile, vous toujours fait avec le téléphone. Si vous mettez un mot de passe bien facile sur le téléphone, ou bien vous ne mettez pas du tout. Je conseille de changer le mot de passe en Kounia pour faire le plus compliqué, pour information personnelle ou pour plus protéger. Pour éviter tout acte de piratage, si vous avez un compte Facebook, Instagram, Twitter ou bien un compte YouTube, je vous conseille d'activer la vérification des étapes là sur vous pour vous puissiez protéger comme ça vous ne pouvez pas pirater. La protection de données sensibles, c'est dans mes liens. Certainement, c'est très pratique. Les réseaux sociaux sont gratuits et faciles pour les gens. Si vous arrivez ou en vacances, vous avez accès avec une connexion Internet. Et puis, vous tombez sur Wi-Fi ça qui n'a pas aucun mot de passe sur ça veut dire Wi-Fi en 5 code, vous pouvez juste connecter sur lui. Mais qui est-ce qui dit que Wi-Fi va utiliser? C'est pour hôtel qui peut la livrer ou bien c'est pour une institution qui peut la ou qui affiche non. Plus facile pour un monde capable de changer non, un réseau Wi-Fi, il est capable de mettre n'importe non sur lui. Ça connaît les gens qui font une mauvaise intention, dès qu'ils viennent créer un hotspot ou connecter sur lui, de vous connecter sur vous-même, les gens accès pour capable pirater téléphone ou les capable bien accès avec données personnelles ou photos qui sur téléphone ou les capable bien accès avec email ou mot de passe et plus encore. Donc si ça te connecte ou te connecte sur un wifi ou qui affiche sans mot de passe sans qu'il pas connait pour qui est wifi ça et pour que ça utiliser pour capable gaspiller maintenant moi conseille au pigo faire ça encore comme ça va protéger téléphone ou et va protéger tête. Est-ce que vous connaissez les piles vieux fichiers qui paraissent là sur le téléphone ou contribuent à faire le téléphone ou à venir pile? Si vous avez un téléphone ou toujours rapide, pour tout le bagage fonctionner normalement, je pense à un stockage de téléphone pour retirer tous les vieux fichiers inutiles. Et bien, vous n'avez pas un téléphone ou une application pour effacer cache application. Ça permet de téléphone ou à venir plus d'espace et la plus rapide. C'est comme ça que vous avez un téléphone ou pour le plus rapide, pour le pas jamais là encore. Mais quelques techniques qui sont vraiment importantes ou capable d'utiliser pour bien utiliser votre téléphone. Premièrement, évitez d'utiliser le téléphone pendant que vous pluguez la charge. Lorsque vous faites ça, vous risquez d'écraser votre téléphone. Évitez de quitter Wi-Fi téléphone, Bluetooth, localisation téléphone ou oui, si vous ne pas utiliser. Toujours vérifier si vous n'avez aucune application qui fonctionne en arrière-plan sur le téléphone. Toujours mettez le téléphone sous mode sombre. Si vous appliquez tout principe ça, vous avez besoin de plein pour dire téléphone ou pas qu'un décharge ou bien battre téléphone ou un bon problème. Est-ce que vous connaissez si vous appelez d'installer l'application qui n'est pas disponible sur Play Store sur téléphone ou un? Ça a causé le système de téléphone à craser plus rapide parce que l'application ça a causé de gros problèmes pour téléphone ou un. Play Store a une fonctionnalité qui est le Play Protect qui l'a pour analyser toute application qui est installée sur l'appareil ou un. Si vous avez remarqué les jours qui ont application représente un risque pour téléphone ou un, je conseille de courir désinstaller. Évitez d'installer l'application qui n'est pas disponible sur boutique Play Store pour le système de téléphone ou un qui est en sécurité.